Au cours de cette rencontre entre acteurs concernés par la mise en place des conseils des quartiers et des districts dans la préfecture de l'Abbé, le préfet de la localité a exprimé ses vives préoccupations quant aux critères de sélection des représentants de la population à la base. Et ne pas faire un choix de conseiller ou de président de district ou de quartier par affinité. Mais des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais en les prenant parce que ce sont des parents, mais certainement ce serait retarder le quartier ou le district. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui ont un âge très avancé, alors que la jeunesse peut être présente partout, mais serait un tort qu'on fait à ce quartier en prenant quelqu'un qui n'est vraiment pas à la hauteur. Ces préoccupations sont partagées par le maire de la commune urbaine de l'Abbé. D'abord, ce que je tiens à rappeler moi-même, en tant que maire central, mon souhait serait que les conseils qui seront choisis, surtout les présidents, que ce soit des cadres en tout cas, capables d'élaborer ou en tout cas de proposer un plan de développement pour leur quartier ou pour leur localité. Parce qu'il faut rappeler que le programme de développement local est élaboré à partir de la base, c'est l'expression même des citoyens à la base qui nous permet d'élaborer notre PDL. Donc si les conseils qui sont choisis à la base ne sont pas efficaces, le conseil communal, la commune, la mairie aura du mal à fonctionner, aura du mal à pouvoir en tout cas exécuter le programme ou à élaborer son programme. Le vice-maire de Dar al-Abbé a mis l'occasion à profit pour plaider la cause des femmes dans la répartition des sièges au sein des futurs conseils des quartiers et des districts de la préfecture. Il est à préciser que les acteurs concernés par ce programme de mise en place des conseils des quartiers et des districts de la préfecture ont jusqu'à la semaine prochaine envie de déposer les différentes listes retenues à une commission spéciale installée pour les besoins de vérification de la conformité avec les textes en vigueur en la matière.